Et salut les flippettes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur The Evil Within. Vous êtes bien cachés derrière votre ordinateur, et ben moi je vais me remettre dans ce jeu horrible qui me fait crier comme une gonzesse. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc on y est. Oh là là, j'ai plus de balles, poteau, je fais quoi moi maintenant? Équipé. Et j'ai pas de balles. Hein. Je vous rappelle que j'ai pas de balles du tout. Alors je fais quoi moi ici là? Vas-y, éteins-moi ça, on va se jouer discret. Y'a pas un truc que je peux prendre, putain, je sais pas, n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait éventrer. Vous êtes gentil, vous. Mais non. Ah, j'ai cru, il m'avait vu. Continue de taper sur la porte. Oh là là. Putain, lui aussi, il est immonde. Putain, je crois que j'ai perdu trop de temps. J'aurais dû le poignarder quand je pouvais. Il va me voir. Vas-y. Ouais, t'es un bon mec. Puis là, dès qu'il se retourne, paf, un coup de couteau. Là, il est vilain. Nemoas. Pas beau. Oh bah t'es pas beau. Hein. T'en es conscient que t'es pas beau. C'est peut-être pour ça que t'es énervé. Moi je pense que ça doit pas rendre de bonne humeur d'avoir les tripes à l'air comme ça. Vas-y. Hop là, lui s'il y est pas passé ma gueule. T'es mort ou pas? T'es mort. Hein. Schlag. S'empresser de rentrer là-dedans. J'aime bien l'autre, il tape sur la porte, ça s'ouvre pas, mais moi je la pousse juste. Hein. Je vous dis, j'ai pas confiance en lui, je sais pas pourquoi je lui cours après. Hein. Je me demande si j'aurais pas dû essayer de tuer l'autre proche de la porte et puis le brûler, parce que j'ai peur qu'il revienne du coup, si je l'ai pas brûlé. Je sais pas. Je réfléchis à plein de trucs là. Ah, le vieux portail. C'est Charles de Poule qui vous a inspiré ou quoi? Ah, le bruit. Catastrophe. Bah oui, mais... Ah, mais c'est pas lui. C'est lui. Hé, hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... peut pas continuer. Non, mais ça, c'est triple lol, le gars, il est dans un truc. Ouais, mais vous êtes qui? Vous êtes du coin, je suis perdu, j'ai déjà tué un mec, un coup de couteau dans le crâne, vous savez si c'est normal? Non, mais t'es con ou quoi? Cache-toi, tue-les tous, rien à foutre.
là là. Mais non. Ah mais je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Ah je suis caché. Il m'a vu. Éteins ta lampe, voilà, éteins ta lampe. Je peux les assommer avec ou pas? Vas-y, je tente au pire, je meurs, mais... Je vais péter la bouteille sur la tête à ce fils de pute. Non, mais va-t'en. Vas-y, tourne-toi, je te plante. Comme les chiens. Qu'est-ce que c'est, mon pote? Appelle-moi Splinter Cell. Je te fais des prises de CQC, Metal Gear Solid. Mais si je leur tire une balle dans la tête, ils meurent ou pas? Parce qu'il me reste une balle. Parce que là, j'ai plus rien pour le distraire. Ah, et t'imagines si lui, là, si je prends trop de temps, il se relève parce que je l'ai pas brûlé? C'est quoi, en fait, le but, c'est que j'aille dans la maison, c'est ça? Ils veulent que j'aille dans la maison s'ils mettent des ennemis, là. Faut pas que j'aille tout droit. Ou je vais tout droit et j'ai la tâche plus facile. Je sais pas. Là, l'autre, il est parti où maintenant? Ah, il est là. Il est là. Et tu vas voir, l'autre, il va se réveiller juste derrière moi, là. Et il va me saigner. Ils ont besoin de lunettes. Moi, comme ça, je suis calme. Pas besoin de stresser. Vas-y, c'est le moment. Il va pas se retourner maintenant. Il va pas se retourner. T'inquiète, il va pas se retourner. Il est bien là. Il est bien parti là. Il va pas se retourner. Et voilà. Il s'est pas retourné. Hop là. Il y en a pas d'autres, hein. Allumer la lampe. Ah, 5 allumettes, c'est cool ça. En fait, je la brûle, mais je sais pas à quoi ça sert de brûler les gens comme ça. Là. Note du village près du lac. Depuis quand ce phare éclaire-t-il le lac? A-t-il toujours été là? J'ai l'impression que ce faisceau circulaire me passe dessus, me traverse, comme s'il emportait quelque chose à chaque fois, mais impossible de me souvenir quoi. Ok. Ça rassure. Il est où l'autre? Il est où l'autre que j'ai tué? Bah. Je le vois pas, je l'avais pas tué ici.
Là, on est d'accord, à cet endroit-là, j'avais bien tué quelqu'un. Ou... Attendez, je vais chercher, mais pour moi, j'avais tué quelqu'un ici. Hein. Alors, je vois pas pourquoi il est plus là. C'est quoi, du coup, il va réapparaître plus loin? Il me semblait qu'il était là. Et je vois personne maintenant ici. Donc c'est bien ça, donc il se relève. Donc où il est parti maintenant? J'en ai absolument aucune idée. Oh putain. Ah, j'ai pas envie d'aller plus loin, poteau. J'ai pas envie. T'es mal ambiance. Un piège. Ah, j'ai failli tomber dedans. Hop là. Y'a pas d'autre piège. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est l'autre. Pourquoi il est parti, où il est. Je peux brûler de la paille. Mais pourquoi je brûlerais la paille? Et puis là, je peux reprendre une bouteille. Je vais reprendre une bouteille. La dernière fois de lui envoyer, ça m'a servi. Je suis sûr que je vais voir un truc sur ce ponton là. J'en suis sûr, il va y avoir un truc qui va sortir de l'eau ou quoi. Rien qu'à le regarder, je me sens attiré dans sa direction. Ah non, c'est ce fameux phare. Je vais attendre voir s'il se passe un truc une fois que le phare il éclaire notre côté. Non. Non. Il se passe rien. C'est trop louche. Et l'ambiance avec le casque et tout, je vous jure, c'est hardcore. C'est hardcore. Je me balade, hein, j'ai envie de rien louper. Ah, j'entends un bruit. Là. J'ai des frissons. Là, j'entends un bruit comme si c'était derrière ce mur. Parce que c'est... Ah, j'entends un bruit comme si ça provenait derrière moi maintenant. Point de contrôle. C'est bon, je flippe. Je flippe. Ah, il y en a un devant là. Est-ce que c'est simplement lui que j'entendais? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais oui, mais mets-toi debout devant lui, oui, t'as raison. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Hein, t'as quelqu'un qui te fait peur, tu te mets debout devant lui. Surtout s'il est mort et qu'il a besoin d'au moins 6 balles dans la tête pour mourir. Qu'est-ce que tu fais, poteau? Mais vas-y, non mais cours devant lui aussi. Toi, qu'est-ce que... Il ressemble pas au gars que j'avais tué, hein? Si?
Je sais pas, je la reconnais pas, mais je crois pas, il me semblait pas qu'il avait autant de trucs dans la tête. C'est que j'en allume au moins un. Ce serait déjà pas mal. Mais lui, par exemple, si je marche là, il va me voir ou pas? Parce que là, à nouveau, il n'y en a que deux, c'est ça? Très bien. Allez, on va se mettre là. Traverser ici. Voilà. Je le brûle direct. Comme c'est à lui, au moins il est mort. Voilà. On en est sûr normalement que lui il est parti. Je me concentre, hein. Je parle pas trop. J'ai pas envie de mourir. Vous m'en voulez pas. J'essaye de la jouer bien. Ça, c'était le même que celui qui était devant la cabane. Ça. Et je peux taper avec pour les enflammer. Je pensais qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres, mais là je les entends. Ah si, je les entends. Je pense qu'il y en a d'autres. Je prends le risque de passer par là. Mais vas-y, mais je shoot dans tout ce qui bouge, quoi. Sous le lit. Ah, il y a des balles ici. Poteau, c'est bon, vas-y. J'ai une dernière allumette. Allez. Je vais peut-être en trouver encore. Ah, mais j'ai ma torche. J'aurais dû utiliser ma torche, je suis bête. Je les brûle avec ma torche, ça va aussi, je pense. Oh, un piège. Non, mais poteau, je suis pas allé sur la ficelle, là. Mais c'est triple lol, des trucs pareils, j'étais pas dessus. Si juste l'animation te tournait, ça te fait tomber dedans, hein, nique ta race. Hein. Putain. Thank you.
de se cacher. Et puis là, il y a le piège. Voilà, ce fameux piège là qui m'avait tué la dernière fois. C'est bon. Ah, il y a un ennemi là, vous le voyez là? Dans le cadre de la porte, c'est un ennemi ça. J'ose pas aller le taper. Je préfère m'en prendre au déjà mort. Tiens, pas de bruit là. Faut quand même que j'aille le fracasser parce que si après il vient dans mon dos. Voilà. Donc la torche, ça les tue, mais ça sert qu'une fois, quoi. Une clé. Yes. Je sais pas ce que ça ouvre. D'ouvrir sûrement le portail, parce que j'ai vu qu'il y avait un portail un peu plus loin, là, sur le deuxième chemin, justement. J'ai pas vu que j'avais un point de contrôle. J'aurais bien aimé avoir un point de contrôle, quand même. Un petit checkpoint. Checkpoint. Caisse, pas un truc, bon sang. Quelle poisse. Tiens, un bouquin. Fragment de carte 2. Randall's Crossino. Ok, je connais pas. Je sais pas si ça existe vraiment pour les bons en géographie. Moi, je suis une bille. Je suis désolé. Je pourrais pas vous en dire plus sur ce petit bout de carte. Je reste accroupi, c'est peut-être bête, mais ça me rassure un peu, quoi. C'est pour ça que je reste accroupi, là, la plupart du temps. Parce que je suis pas serein, en fait. Je peux marcher, mais j'ai l'impression que si je marche, il y en a un qui va m'entendre et qui va me plomber. Alors, je vais pas faire le grand, je vais rester comme ça. Hop. Ouf, c'était l'ombre de ma main. J'ai eu peur de l'ombre de ma main. Allez, vous y croyez-vous? Moi, oui. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux ennemis. C'est une bonne chose. Il y a un truc par là. C'est une vraie attraction ici. Je peux monter sur les rondins de bois et tout. Je sais pas si j'étais allé par là ou pas. Oh là là, va pas te brûler les pattes, toi. Je sais pas si les ennemis des fois ils réapparaissent ou s'il y en a des nouveaux, tout ça, donc je préfère faire attention. Puis là il y a toujours celui que j'entendais, je sais pas où il est, je sais pas, je l'entends pas. Enfin je l'entends mais je le vois pas, pardon. Est-ce qu'il se cacherait peut-être par là? Hop! Putain, il est là! Oh putain! Mais non, poteau! Ah, il m'a pas vu. Ah, j'étais sûr qu'il m'avait vu. Ah, putain. Ah, je suis trop con, moi. Je m'approche comme ça, comme un warrior, j'y comprends rien. Yes. Bien. Prends ça.
petite dernière pour toi. Profites-en bien. J'ai plein de drogues sur moi, c'est trop cool ça. Plein de drogues. Je vais pouvoir me shooter le cerveau et être plus performant. Je vais où ici? Ah, il y a un piège. Vous avez vu le petit piège là? Et à part ça, vous avez vu celui qui était dans la salle qui faisait le mort là? Imagine, il y en a comme ça dans les herbes et tu les vois pas. C'est possible, hein? Et ils se relèvent derrière toi comme ça, ils te mettent un coup et ils te tuent. Voilà. Je vous dis que c'est possible. Regarde là dans ces herbes, on les verrait pas. Hein. Ils se pointeraient derrière nous comme des fleurs. J'entends pas de monstre. Et qui dit pas de bruit, dit bonne nouvelle. Enfin pour l'instant. Merde. Oh non. Mais je peux pas les brûler. À moins que je trouve un truc peut-être. Un piège. Un piège aussi. Putain, ça c'est le genre de truc, t'arrives ici, tu te prends un piège, putain t'es content quoi. Ça m'aurait mis de bonne humeur encore, un truc pareil. Vas-y, mais trouvez-moi des allumettes, là, putain. J'ai envie de passer ma vie ici, moi. Ok, puis je retombe ici, d'accord. Bon, ça m'intéresse pas. Dans cette vieille cabane, eh ben, y a pas de... Il n'y a pas d'allumettes. Tout ce que j'espère, c'est que quand je vais ouvrir ça, eux, ils vont pas se réveiller. Hein. J'espère pas. Ah bah voilà. Bah putain, j'en étais sûr. Bah c'est super. Vas-y, 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 vas-y. Mais non, mais... Putain, mais mec, mais quelle bande de... Oh là là. Ça me pose ça, équipé. Vas-y, vas-y. Ok. Vas-y, cours, poteau. Mais cours, frelot. Putain, Narvalo, va. Shoot-lui la jambe, à lui. Oh, est-ce que je vise mal? Oh, une balle. Comment ça, l'autre, il s'est réveillé? Mais comment ça, il s'est réveillé? Non, mais je veux pas mourir ici. Oh, faudrait que j'arrive à les faire tomber dans le piège, là. Ça et que là il vient tout droit, il vient, vas-y viens,
Tu m'as vu, hein? Viens, viens, viens. Voilà. Le 1. Vas-y, cours. Ouvre-moi vite cette porte. Vas-y, 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 vas-y. Avant qu'il arrive l'autre. Parce qu'il n'y a plus de piège là. Parfait. Parfait. Et nous y voilà toujours perdus dans cette foutue forêt. On n'y voit toujours pas grand chose. J'ai toujours peur qu'il y ait des trucs dans ces hautes herbes. J'ai vraiment toujours peur de ça. Qu'il y ait un machin caché là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Maison là paumée. Il y a ça pour se soigner. Ok. Quoi, ma vie, c'est cette petite barre là. Équiper ici. Ok. D'accord. Donc j'apprends toujours un petit peu. On n'a jamais fini d'apprendre. Hop. D'accord, bon voilà, ok. Espérons que le jeu soit clément avec moi. Donc j'ai plus de balles du tout. J'ai pas une balle. Ça, je sais pas si vous y avez déjà joué et que vous me regardez là. Mais vous devez bien vous marrer si vous savez ce qui m'attend. Parce que moi, je sais pas du tout, mais je pense bien que c'est pas fini. Hein. Je vais pas seulement avoir 2-3 zombies sur le dos. Je pense que je vais en avoir un peu plus que ça. Putain. Oh putain. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi. Oh là là. Oh là là. Je les avais pas vus. Et je sais même pas où je suis, j'ai réussi à me perdre. Ça fait même pas 5 minutes que je joue, j'ai réussi à me perdre. Putain de sa race. Oh là là, mais ils sont combien là? Oh, je m'en sortirai jamais. On va éteindre ça. Non mais si j'éteins, j'y vois rien. Je viens d'où là? C'était déjà la maison dans laquelle je suis allé? En fait, je viens de là-bas. C'est juste, non? Et mon sens de l'orientation, je vous dis qu'il est pas bon. Ok, bon, je vais aller par là. Et j'ai absolument pas envie qu'ils s'intéressent à moi. Là, les gloutons, ils sont en train de faire un petit festin. Oh putain, ils sont juste là. Le gars, il est maso, il fait que de s'en approcher. Ils sont combien, là? Et je peux pas passer par là? Oh là là, mais ils sont beaucoup trop nombreux. En fait, c'était bien par là où je passais avant. Faut que je passe sur le côté, là. Et donc, je vais repasser par là, une fois de plus. Ah, je suis désolé, hein, si... je prends un peu mon temps... Je me remets dedans gentiment. Voilà. C'était qu'un orage. Je crois qu'il y en a un juste à côté là. Oh bon sang. Comment je vais m'y prendre? Non mais tu veux que je fasse comment, poteau? Il y en a tellement.
Oh là là. Ils sont tous là, il y en a encore un là. Parce que si celui-là je le tue, ça a l'air tous les autres ou pas? On va essayer. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait au moins un qui y passe, je pense. Ah, ils se régalent, hein. Ils ont faim. J'aimerais bien ne pas être le prochain. Oh là. Putain, il me voyait. Ça a l'air... Oh putain, ça a l'air télé... Oh putain, ça a l'air télé... Oh putain. Oh là, mais je fais quoi maintenant? Vas-y, vas-y, cours, 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 cours. Tu peux le faire, moi j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Vas-y. Merde, faut pas que je reste ah ici. Ah non, tu l'as dit, ça, faut pas que tu restes ici. J'ai plus une seule balle, j'ai plus rien du tout. Je suis dans une merde. Vas-y, vas-y, vrai. Je vais faire... Oh mais je fais quoi maintenant? Ah, je... Oh là. Ah, t'es un warrior, poteau. Vas-y, tu me barques, mais saute dans la barque. Ah, là, c'est bon. Ah. Ils me suivent pas dans l'eau. Ah bah, j'ai fini chapitre 2, ok. Bon, très 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 bien. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ouais, bah sur ça, ça va être la fin de cet épisode, hein. Parce que là, j'en ai eu beaucoup. Ouais, j'en ai eu énormément. J'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un nouveau plein d'émotions, etc. J'ai passé un bon petit cap. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh ben, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, parce que je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui serait capable d'apprécier ce que je fais. Je l'espère. Si vous avez liké et partagé, bah laissez un petit commentaire, d'une pour me le dire, comme ça je pourrais vous remercier, parce que je tiens à remercier les gens quand même qui s'abonnent, qui likent, etc. Pour moi, c'est vraiment un plaisir que vous le fassiez. Puis voilà, bah abonne-toi, mec, si ça t'a plu, que c'est pas la première que tu regardes et tout, bah abonne-toi. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, enfin, si ça t'a plu, voilà, abonne-toi, laisse un petit like, commente, partage. Et puis écoute, sur ce, je te dis ciao, ciao, et à tout bientôt pour un prochain épisode.